chemise rose fluo et ses paires de défi. Ils étaient sur leur banc, les prévenus, à peine plus âgés qu'elles, préfèrent fixer leurs chaussures à la laisse, dépassées par le cours du procès. Et des garçons et des filles sans histoire comme Jordan, origine de la condition. Sans avoir l'occasion de s'exprimer devant le tribunal à la sortie de l'audience, c'est un peu de caméra, mais là, de lutter contre la concurrence fiscale et de financer les plans de relance post-Covid. S'il voit le jour, 90% des entreprises mondiales seraient concernées, Louise Baudet. Sur le papier, le pactole fait rêver. 50 milliards de plus dans les caisses européennes avec un taux d'imposition à 15%, 170 milliards à 25%, de quoi renflouer les budgets des États mis à mal par la pandémie en déplumant un peu les GAFAM, grands gagnants du confinement et champions de l'optimisation fiscale, Microsoft par exemple. Aucun impôt l'an dernier en Irlande, où son siège européen a pourtant engrangé 260 milliards d'euros de profits, possible dans ce petit pays qui a construit sa prospérité sur des règles fiscales très accueillantes. Pour contrer ces pratiques, le projet de taxe mondiale prévoit que le pays d'origine d'une société qui ne paie pas d'impôts là où elle fait des bénéfices puisse récupérer l'argent à hauteur de 15%, trop peu pour nombre d'ONG, mais de quoi entraver la course au moins-disant fiscal engagée depuis 40 ans. La taxation des entreprises au niveau mondial a sur cette période baissé de moitié. Et puis sortez vos chapeaux pointus et vos robes de sorcier, le plus grand magasin consacré à l'univers de Harry Potter, vous savez, le petit sorcier à lunettes. Ce magasin a ouvert ses portes hier à New York, aux États-Unis, un magasin de 3 étages, 2000 mètres carrés, des centaines de fans ont fait la queue des heures durant sous la pluie, décidément. À découvrir ce bâtiment entièrement dédié donc au monde imaginé par J.K. Rowling. Merveilleux, merci, Lucie Barbara. L'info sur les assistants vocaux, c'est France Info. Il vous suffit de demander quelles sont les dernières infos et vous écoutez le dernier fil info. Sur les assistants vocaux, France Info, et tout est plus clair. Le chef de l'État a déclaré hier que le
sans abandonner pour autant les sentiments. Et puis rapidement, on a connu bien sûr les sentiments, c'est que les États-Unis et les Nations sont deux prochains jours aussi dans le G7 Finance. Un bon ordre de l'objectif, ce serait de pouvoir financer le plan de relance, arriver aussi à lutter contre la concurrence fiscale. France Info, plusieurs enquêtes en cours après la panne, des numéros d'urgence, SAMU, police, pompiers, très vite du SINDAC, c'est mercredi soir. Au moins 3 décès signalés selon les informations de France Info en Vendée, dans le Morbihan, à La Réunion. La situation est sous contrôle, dit le PDG d'Orange, Stéphane Richard, depuis hier, Orange, dans le collimateur du gouvernement, l'exécutif et l'opérateur sous pression et se protège, Adrien Bell. Pour illustrer que la défaillance ne vient pas de l'État, plusieurs sources nous indiquent que ce sont les services gouvernementaux qui ont sur le dysfonctionnement de ce grand faux réseau. Or, c'est en principe l'inverse qui doit se produire, de manière de mettre la pression sur l'expérience télécom et pour l'exécutif de se protéger. C'est ce qui explique aussi les déclarations de plusieurs ministres et même d'Emmanuel Macron. Mieux vaut apparaître martial plutôt que faible, explique un conseiller. Une forme de principe de précaution, alors que le 15, le 17, le 18, au fond des services. D'autant que l'État demeure actionnaire minoritaire d'Orange. Façon aussi de prévenir, si des têtes doivent tomber, ce ne sera pas du côté de l'exécutif. Adrien Beck, les choses sont rentrées dans l'ordre sur ce matin, le Premier ministre, c'est ce que nous confirme la docteure Agnès Richard-Hibon, porte-parole de la Société française de médecine d'urgence. Elle dirige le SAMU du Val-d'Oise. La situation s'est très nettement améliorée. Effectivement, les appels arrivent de 15 jours, de 10 jours, de 10 jours, de 10 jours, de 10 Et donc, la consigne est vraiment, si jamais il y a une difficulté dans un bouquin, il faut réitérer l'appel, parce que ces coupures sont aléatoires et transitoires. Alors, ça va mieux ce matin, depuis quelques heures, depuis hier en fait. Est-ce que vous avez déjà pu faire un premier bilan? Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, des personnes qui sont mortes? Alors, en Île-de-France, on n'a pas noté d'événements indésirables grâce à l'intervention des termes de l'employé. En termes de nombre d'appels et de dossiers de régulation qui ont été traités, on n'a pas une structure qui est une baisse, mais ça nécessite des investigations complémentaires. Pour le moment, la situation est plus ou moins normale. On ne fait vraiment pas les interprètes de temps et la réalité de Vous parlez de la création d'un numéro unique qui fait débat maintenant, qui est réclamé notamment par les pompiers. Oui, mais c'est du bon sens, mettre tous les œufs dans le même panier, ça nous expose, ça nous rend plus vulnérables à des pannes ou à autres dysfonctionnements. Et donc, ce que l'ensemble de la communauté médicale, et pas que les urgentistes, mais il y a aussi tout l'hôpital, la Fédération hospitalière de France, réclame plutôt deux numéros, un numéro santé et un numéro secours sécurité, qui permet d'avoir directement accès à des professionnels de santé pour une analyse de santé immédiate de besoin, mais aussi permet de suppléer lorsqu'il y a des pannes comme celle-là, qui permet lorsqu'il y a des difficultés de joindre un numéro, de joindre l'autre. Comme les plateformes sont interconnectées et l'interconnexion a très bien fonctionné dans la majorité des territoires, ça permet d'assurer une sécurité supplémentaire. La Fédération des pompiers voudrait un numéro unique, en l'occurrence le 112, qui existe déjà, mais qui remplacerait cette fois tous les autres, avec une idée qui peut être intéressante dans ce qui s'est passé. Ce serait d'avoir un numéro à 10 chiffres, justement, pour contourner le problème, qui serait le 0-112-112-112. Comme ça, c'est facile à retenir. Non, mais on n'est pas d'accord avec ça. On ne crée pas un numéro unique uniquement dans l'objectif de sécuriser en cas d'une panne exceptionnelle. Par contre,
tous les jours l'accès direct à des professionnels de santé pour une analyse médicale appropriée, parce que les premiers mots spontanés prononcés par les patients sont extrêmement importants dans l'analyse de la gravité. Il ne faut pas avoir à reposer des questions pour analyser ce besoin. Donc il est très important d'avoir cet accès direct aux professionnels de santé par un numéro santé interconnecté. Il y a une très bonne coopération entre le SAMU et les pompiers sur le terrain, et il faut consolider ce qui marche et le renforcer, le moderniser, mais pas casser ce qui marche. Et cet accès direct aux professionnels de santé est très important pour la population qui connaît finalement très bien le numéro 15. C'est 30 millions d'appels par an, c'est un appel par seconde qui arrive au SAMU. La docteure Agnès Richard-Ibon, porte-parole de la Société française de médecine d'urgence, elle dirige le SAMU du Val-d'Oise. Elle répondait à Laurent Sénéchal ce matin sur France. On l'avait appelé l'affaire Air Cocaïne. Deux pilotes français, notamment, accusés d'avoir aidé à transporter près de 700 kilos de cocaïne à bord d'un jet privé entre la République dominicaine et la France. Le procès en appel a lieu lundi prochain à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Stéphane Peyre a rencontré l'un des acteurs de cette histoire rocambolesque, Christophe Naudin. Cet ancien expert en sûreté aérienne avait organisé l'exfiltration par la mer des deux pilotes jusqu'à la France. Il a été condamné à 5 ans de prison par la justice dominicaine. 3 ans après avoir quitté la pire prison de Saint-Domingue, atteint d'un cancer des os, Christophe Naudin, l'expert en sûreté aérienne au Fosaire de Barbouze, s'est refait une santé et il règle ses comptes. Sa colère, il la réserve d'abord à la justice de Saint-Domingue, celle qu'il a envoyée près d'un an sans enquête ni procès, dans l'une des pires prisons des Caraïbes. L'ennemi du peuple, comme on l'avait baptisé là-bas, a plusieurs fois censé mourir dans sa cellule. On me le répétait en permanence, c'était ça qui était difficile. On me disait, tu vas mourir ici, tu ne reviendras jamais en France. Et je ne savais pas comment j'allais mourir. Est-ce que j'allais mourir de maladie? Est-ce que j'allais mourir de folie? Est-ce que j'allais me prendre une boîte de conserve transformée en couteau? Enfin, ça, c'était dur pour moi. Et je me suis dit, je suis chez l'ennemi. L'ennemi de guerre, on va appeler ça comme ça. Et donc, il faut tenir. Aujourd'hui libre, Christophe Naudin reste persuadé que la police antidrogue dominicaine avait partie liée à cette transaction de cocaïne et que ses amis pilotes en ont fait les frais. Je pense que la drogue, elle n'a jamais été. L'analyse de la drogue, elle est datée de 7 jours avant. Sans doute que c'est parce qu'on a une saisie qui a été faite avant. La personne qui fait l'analyse de la drogue, pas de chance, se suicide 2 jours après l'arrestation. Dans cette affaire, soyons clairs, il n'y a pas de drogue, pas d'argent. On peut démontrer qu'il y a un enrichissement personnel. Il n'y a rien. Christophe Naudin va assister au procès de Bruno Audos et Pascal Forêt. L'affaire les a tous les trois marqués au fer rouge. Mais lundi, ce sont les deux pilotes qui seront à nouveau dans le box. On attend quand même la vraie justice. Là, on ne dit pas qu'on n'a pas joué la justice. Je veux dire, si ils ont été exfiltrés de la République dominicaine, c'est justement pour qu'ils se présentent à la justice française. Et puis que maintenant, on se penche vraiment sur sont-ils des narcotrafiquants? Ont-ils une responsabilité dans ce qui est chargé dans un avion? Quelque part, ils ont perdu leur dignité, ils ont perdu leur honneur. Lors du premier procès, les juges avaient prononcé une peine de 6 ans ferme contre les deux pilotes de l'affaire Air Cocaïne, accusés de complicité de trafic international de drogue. Un reportage de Stéphane Peyre et le livre de Christophe Naudin, où il défend les pilotes, s'appelle Les Dessous d'une mystification aux éditions L'Archipel. France Info, 9h30, midi, Solène Cresson. Nous filons à Roland-Garros dans un instant, début du troisième tour sans français. Et puis le monde d'Élodie en mode reggae, c'est après le fil info, 10h20, Stéphane Milhomme. Une femme est morte, défenestrée par son ex-conjoint à Colmar, selon les premiers éléments de l'enquête. Le meurtrier présumé à l'interdiction d'approcher de cette victime depuis une décision de justice en 2019. Et il semble que le couple se soit remis en ménage. Le drame s'est produit hier soir à la suite d'une dispute. Après la grande panne qui a touché dès mercredi soir les numéros d'urgence, le Premier ministre parle de 4 décès présumés à cause de cette impossibilité pour joindre les secours. Sur un plan technique, Jean Castex affirme ce matin que les choses sont rentrées dans l'ordre. Il signale encore quelques légers dysfonctionnements. Plusieurs enquêtes sont donc ouvertes après ces décès suspects. Et puis Orange lance une enquête interne pour tirer les enseignements de cette panne technique. Le groupe promet des conclusions.
prévision des réponses d'ici 7 jours. Cet été, on pourra partir en vacances aux Antilles et La Réunion ou à Mayotte. Sébastien Lecornu, le premier sur France Info. Le ministre des Outre-mer est un peu plus réservé pour la Guyane où la situation sanitaire, dit-il, liée au Covid-19 reste plus tendue. Faut-il inciter les candidats du bac à rester chez eux une semaine avant le début des épreuves? Certains établissements l'envisagent pour limiter les risques de contamination. Le ministère laisse la main aux proviseurs, mais pas de directive nationale. Première épreuve, la philosophie, ce sera le 17 juin. Et puis les livraisons de vaccins à quasi à l'arrêt en Afrique et comment mieux répartir les doses entre les pays pauvres face au coronavirus. C'est tout l'enjeu des discussions des ministres de la Santé, membres du G7. Réunion aujourd'hui à Londres. Roland Garros 2021. Alors non, il n'y a plus de Français à Roland Garros, mais le tournoi continue. Bonjour Fabrice Andrade. Bonjour. Début du troisième tour aujourd'hui. Tous les joueurs de la nouvelle génération et prétendants au titre seront sur le pont pour une place en huitième de finale. En effet, Alexander Zverev, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas seront sur les courts aujourd'hui. Ce sont, c'est vrai, les symboles de la nouvelle génération. Avec nous, Paul-Henri Mathieu, le consultant tennis de Radio France. Alors, par ordre d'apparition, Alexander Zverev sera opposé au Serbe Laszlo Djere, 55e mondial. Zverev part favori, mais c'est un peu laborieux quand même pour Zverev, le numéro 6 mondial, depuis le début du tournoi. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu laborieux. Alors, il nous a habitués aussi à des départs en grand chelem un petit peu de cette manière-là. Attention, il arrive quand même en confiance, il a gagné le tournoi de Madrid. Alors certes, c'était un tournoi avec, qui était très rapide, avec une terre battue très rapide. Différente de la terre battue d'ici. Un petit peu différente, effectivement, un petit peu plus glissante. Mais attention, on sait que le bas du tableau est assez ouvert. Il le sait également, il sait qu'il a une carte à jouer. Je pense qu'il sera quand même difficile à aller chercher. Daniil Medvedev, c'est le numéro 2 mondial. Le russe se reposait lui à l'américain Brady Opelka, 35e mondial. C'est un géant de 2,11 m, 102 kg, c'est une force de la nature, dotée d'une force de frappe phénoménale. Attention, Daniil Medvedev peut être en danger. Oui, peut-être en danger, il faut le rappeler, hein, Medvedev qui a gagné son premier match à Roland-Garros cette année, il en a gagné deux d'affilée. Alors est-ce qu'il est parti pour aller plus loin? Mais effectivement, attention à Opelka, qui est un petit peu le John Isner bis, qui sert très très bien, et pour un grand qui se déplace aussi relativement bien, il joue de manière très agressive, et c'est un match piège, je dirais, pour Daniil Medvedev. Brady Opelka, demi-finaliste à Rome, battu seulement par Rafael Nadal en demi-finale. Et puis Stefanos Tsitsipas, le numéro 5 mondial, alors lui, il va affronter un autre géant, vous venez d'en parler, c'est aussi un Américain plus connu du grand public, c'est John Isner, lui c'est 2,08 m, lui aussi très puissant, notamment au service. Et il a de bons résultats sur terre battue. C'est assez surprenant, mais John Isner aussi est un danger pour Tsitsipas peut-être. Oui, non, c'est vrai que régulièrement, il a fait des bons résultats sur terre battue. On le rappelle, il a aussi disputé 5e face à Rafael Nadal une année ici à Roland-Garros. C'est un match piège également pour Tsitsipas, même si Tsitsipas joue très très bien depuis le début de la saison. Et on sait que c'est l'outsider numéro 1 pour arriver en finale cette année dans cette édition. Mais ça sera un match intéressant pour les deux. À noter pour terminer, chez les dames, Serena Williams se reposer à sa compatriote Danielle Collins pour une place en huitième de finale. Merci à vous, Paul-Henri Mathieu. C'est des gens vivants. Et on fait partie aussi, effectivement, de ce caractère. D'ailleurs, dans cette année, vous vous interrogez sur le rôle des artistes. Ça a été très dur, cette période. Ça a été très dur parce qu'on était dans le brouillard, mais par exemple, quand on s'est remis au travail pour faire ce disque-là, l'automne dernier, ben, ça a été un système de six jeunes qui nous a sauvé la musique. La Civiation System, c'est d'abord plus un groupe de scène, c'est d'abord un groupe qui fait partie de la photo de famille.
c'est ça notre force, M. T. La plupart des gens nous prennent comme ça, c'est-à-dire on va avoir masqué à son système comme on va avoir un peu le mariage du cousin. Quelque part, on s'est toujours considéré comme le boucher, le charcutier du quartier, sauf qu'au lieu de vendre les entrecôtes, nous on a les chansons, c'est un peu comme ça, avec ce rapport d'artisan. Donc oui, on est un peu le contraire du confinement. Bien sûr, on compte là-dessus, parce que ça qui nous plaît, c'est d'être devant les gens. Il y a un cri d'alarme sociale, c'est à la rue. L'idée c'était de bouger les consciences, de faire comprendre que cette solidarité qu'on a perdue, elle est essentielle. Ouais, on est dans une ville qui subit une inertie de dingue avec une succession de politiques qui ont fait n'importe quoi. Donc c'est très complexe à gérer Marseille. Et à la fois Marseille elle est merveilleuse, Marseille elle est multicolore, elle a une force en elle de folie. Mais quand on ferme les yeux, on voit Marseille bien, ce Marseille rêvé, ce Marseille solidaire, ce Marseille qui a de la force. Et quand on les ouvre, on voit le Marseille de 2021, on écrit cette chanson, quoi. Donc un constat qui est évidemment assez raide, mais qui est réel. Après la force est dans nous, hein. Et c'est les citoyens qui vont trouver des solutions, comme toujours. C'est assez fort, ça montre aussi votre engagement depuis le début. C'est vrai que cet engagement, il est vraiment au cœur de la création de l'instigation de système en 1984. Vous avez fait bouger les lignes. L'idée, c'est que justement, vous adressez aussi à cette nouvelle génération, on va dire, qui devait effectivement, et qui pouvait être fière de Marseille, de leur ville. C'est vrai que quand on a commencé, par exemple, il y avait tellement de gens qui partaient, hein, parce qu'ils pouvaient aussi, ils étaient comme un endroit. Je pense que c'est déjà ça, refuser cette mentalité-là, dire que tu peux vivre une vie extraordinaire et formidable, quel que soit l'endroit où tu habites, du moment que tu travailles pour ça. Avec une musicalité aussi qui vous colle à la peau, totalement, on a toujours envie de danser en fait. Quand on nous écoute, même quand les textes dénoncent des choses, pas forcément tout à fait. C'est un groupe de danse qui raconte des choses de la vie, et ça fait des modèles. Je regarde en arrière, je me dis, bien sûr, c'est peut-être ça le secret de la longévité.